Armel Lecléache embarque à ses côtés Christopher Pratt pour la toute prochaine Transat Jacques Vabre. On sait que chaque navigation compte beaucoup pour valider à chaque fois les petites modifications ou les différents réglages qu'on a pu effectuer entre chaque essai de Banque Populaire. Ce qui nous a permis de reprendre le bateau ce matin et de voir qu'il y avait pas mal de petites modifs qu'on avait demandé, qu'on avait souhaité. Et du coup, voilà, on est en train de valider tout ça. Je pense qu'on a vraiment une équipe assez complémentaire. Chacun, on a bien essayé de définir les rôles à bord. Et puis voilà, on sait qu'en double, il y a beaucoup de choses à faire chacun l'un et l'autre sur le bateau. Donc c'est assez sympa. On va fonctionner sur un mode de quart. Donc le double, c'est du solitaire à deux. Hein. On va être à fond pendant 15 jours à 3 semaines à la barre et à régler le bateau. Ça va être vraiment, on va vraiment être tous les deux à amener le bateau à 100%. Et je trouve ça bien. Donc ça permet d'avancer dans le bon sens. Mais en plus, on se connaît bien. Donc voilà, tout est réuni pour faire une belle transat. Par petit ou surtout gros temps, ils se sont entraînés sans cesse depuis plusieurs mois pour peaufiner le moindre détail qui pourra faire la différence. Le Chacal et son équipier sont prêts à relever le défi à bord de Banque Populaire, bien que la course ne sera pas évidente jusqu'au Costa Rica. 5 bateaux comme celui-ci sont de dernière génération et il faudra faire attention à Safran, Gamsi et Groupe Bell, le podium de l'édition précédente qui compte bien faire aussi bien que la dernière fois.